Manish du groupe Devotees of Shiva explique que les célébrations dans le cadre de la fête Mahashivratri seront grandioses cette année après 2 années de Covid-19. Pour lui, c'est le dieu Shiva qui a détruit la pandémie. Et comme on le connaît, c'est la Covid. Et pendant Covid, il y a beaucoup de personnes qui, bien sûr, étaient restreintes, pas capables de sortir pour le Mahashivratri. Alors, est-ce que ça manque, ça? Il manque, nous, mais nous ne suivons pas le protocole du gouvernement, c'est de la police qui nous donne. Nous tiennons à voir, malgré la Covid. Dès que nous avons une instruction lockdown, nous disons, quand nous arrivons, nous retournons, nous respectons tout le protocole qui est là. Maintenant, je pense que non, je vais d'accord à cause du retour. Il y a un virus qui se fait faire. Mais nous prions bon Dieu, c'est lui qui destroye, comme on le connaît. Nous avons dit à l'intuition malade là. C'est ça qui suivra en 2023 pour faire un grandiose à grand bassin. La confection du Kawara relève d'un travail d'équipe. Même des écoliers viennent donner un coup de main, ajoute Manish. L'équipe là, nous avons trois élèves de l'école. Maintenant, nous avons fait des nouvelles, nous avons fait des Kawara. Je vais avoir une contribution à une matrice barrée, je ne suis là, nous nous normaliser. C'est aller l'avant, ce que nous sommes capables de faire, c'est ça. Il y a un travail individuel, il y a une équipe. Une équipe, c'est la scène. Comment elle décaler, c'est la scène à l'écart. D'accord. Les membres du groupe Devotees of Shiva se sont lancés dans la fabrication de leur Kawara depuis le début du mois. Le coût s'élève à plus de 45 000 roupies. Et quand on fait cette contribution, alors un kawar comme ça, qui dans quelques instants nous montrer ce qu'elle fait en détail, un extra même joli kawar avec ce même la lumière, bien détaillé, bien décoré. Vous pouvez nous à peu près combien coûter ça kawar là? Voilà, du jour, nous pas terminé. Nous arrivons dans les environ 40 à 45 000. Nous avons un sponsor, c'est la famille, mon même famille, toute la famille, c'est qui m'a envoyé, c'est pas vraiment les enfants, malade d'accord, médecin, on peut faire une contribution. Vijay du groupe Tagore Hindu Boys explique que ses camarades et lui ont institué un plan de travail depuis la mi-janvier pour confectionner le Kawar. Donc ici à Tagore, nous commençons à préparer d'avoir nos plans pour faire Kawar vers mi-janvier. Donc c'est un plan de travail que nous avons ensemble décidé avant nous. Qui modèle nous prendre le Kawar? Ok. Comment nous pouvons faire? Avec oui, il y a environ 15 à 20 enfants qui arrivent. Mm-hmm. Donc, il y a deux enfants, c'est quel âge? De quel âge? Je vois entre 15 et 16 ans, monter jusqu'à 25 ans. D'accord. Mais c'est tout un groupe jeune qui est là. Mm-hmm. Nous tous motivés ensemble, tous les jours. Nous commençons le travail par jour, 8h, parfois 11h à soir, minuit, énergie du matin, parfois 10h du matin. C'est donc le travail qui nous vient faire. Mais nous tous ensemble, coopérer. Tout le monde va coopérer ensemble. Je fais un travail formidable. Et je te présente tous les jours, cher tout. Oui. Cher tout. Je suis bien motivé. Je suis bien motivé ici. Je viens tous les jours. Je travaille. Je donne tout. Compte tenu de la cherté de la vie, les dépenses encourues pour confectionner le Kawar sont très élevées, affirme Vijay. Nous tout connaît, tout coûte la vie montée, tout qui soit montée, dans le fret, dans les barrières qui sont bien, tout monté. Elle va vous travailler à 45 euros. 45 euros. Et quand je tiens ça fond là, pour qu'ils soient capables en 50 euros. C'est une contribution en tout même. Et il y en a en dehors, c'est 20 euros en dehors. C'est qu'il y en a même en voisinage, etc. Il y en a même 6 euros en tout même, c'est dans ici. Top FM vous souhaite un pieux Mahashivratri. Pour plus de vidéos, cliquez sur like. Abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.